Alors, Benjamin Pillard, 29 ans, journaliste au matin depuis bientôt 5 ans. Le grand plus du matin, comme employeur, on va dire, enfin pour un journaliste de presse écrite, c'est sa dimension généraliste. Chez nous, à l'ARIA, cette dimension, on peut toucher à tout. Je suis moi-même préposé aux faits divers avec une autre collègue pour couvrir l'actualité judiciaire sur des grosses affaires. Mais comme, heureusement que ça, on n'est pas à Los Angeles, je veux dire, c'est pas des, on n'a pas des crimes chaque semaine, enfin chaque jour ni chaque semaine. Donc il faut proposer d'autres sujets plus légers, des histoires de clochers dans les villages, dans le divertissement, pourquoi pas, ou dans d'autres champs, quoi. La GIA m'a facilité, on dira, mon arrivée dans cette rédaction parce que j'y avais fait un stage pendant mon cursus et il se trouve qu'ils étaient contents de ce que j'avais produit pendant mon stage et donc j'ai été engagé, je suis resté. La GIM a toute cette dimension académique qui est non négligeable, qui est un confort ou un luxe, disons, d'avoir toute une partie théorique donnée par des professionnels des médias, mais issus du monde académique, et notamment sur le droit des médias, ce genre de choses qui sont théoriques mais très concrètes. C'était presque des cours privés, si on veut. Hein. C'était vraiment l'intérêt de ces ateliers. Enfin, comme son nom l'indique, on était en petit comité, donc on avait un rapport tout à fait privilégié avec les enseignants. Et puis, sur le côté plus humain, il se trouve que c'était une bonne équipe. On était une volée de gens pourtant d'âge très, très différent, d'origine. Enfin, on venait de tous les cantons romands. Et on s'est très bien entendu tout de suite, donc excellente ambiance. Au matin, on peut tout d'un coup atterrir à 11 h le matin à Bienne ou à Sierre, ce qui nous permet à nous de nous déplacer en Suisse romande et de parcourir de voir du pays, quoi. Beaucoup d'inconnus, mais c'est ce qui vraiment nous stimule. On fonctionne au stress et à. Il y a l'adrénaline. Donc si voilà, vous faites partie des gens qui ont tendance à rendre leurs copies la veille, enfin, se mettre au travail la veille pour des copies universitaires, c'est plutôt bon signe. C'est qu'a priori, il y a des chances que vous soyez à votre place.